être ennemi de pouvoir. Nous capables dans une concurrence politique, nous en compétition d'idées, mais nous pas dans goumé ou avec l'autre. Et nous-mêmes, nous gardons événements qui se passent 6, 7, 8 juillet, et nous essayons d'analyser pour nous comprendre ça qui est exprimé à travers colère, ça, à travers événement ça. Et nous gagnons, capable de dire, une lecture que nous faisons. Et lecture amène nous positionner nous en côté. Oui, bon, dès qu'il y a une consultation qui fait nous-mêmes, nous entendons des consultations, nous ne pas participer là-dedans parce que nous pas de quoi nécessaire pour nous participer, qui menait jusqu'à échoir un premier ministre qui est Jean Risséan et formation et un gouvernement. Maintenant, qui sa gouvernement ça vient fait, qui mission que le bail tête li, et c'est ça m'a vie gardé. M'a vie, ouais, est-ce que gouvernement, est-ce que homme qui est au pouvoir, yo connaît là, eux t'es bien interprété événement 6, 7, 8 juillet, eux t'es bien comprendre ça que t'es exprimé à travers colère ça, et eux va le poter réponse à lui-même. C'est peut-être ça nous penser, dans l'unir, que faut que l'État agit vite pour le qui est au pouvoir, yo connaît là, eux t'es bien événement 6, 7, 8 juillet. Vous devez bien comprendre ça que tu as exprimé à travers colère, ça, et il va le poser réponse à lui-même. C'est peut-être ça nous penser, dans l'unir, que fuck l'État qui t'a fait la trompille. Nous croyons que il y a des vraies demandes sociales, il y a des vraies attentes de société à travers crise que le pays a traversé. Côté Mounio, attendre que dirigeant yo bayo. C'est là n'attendre gouvernement. Ça qui fait que Montéa, après départ de Premier ministre Jacques Guy Lafontaine, second nouveau Premier ministre, d'ailleurs, de fait, bon Premier ministre, il faut que lui retourne sous événement ça pour le dire. Mais qui ça que t'es passé? Ça veut dire que lui prend leçon de ça que t'es passé. Oh, mais absolument. Si un dirigeant pas tiré leçon de ça que t'es passé, il prend le diriger dans erreur et catastrophe, ça, capable de arriver encore avec une ampleur plus élevée, plus importante. Parce que il est clair que il y a des questions d'être capable de qui poser et pendant 6, 7, 8 juillet et que l'État, donc le monde qui est au pouvoir, doit porter réponse à eux-mêmes. Le gouvernement, ça fait monter là avec notre Jean-Henri Seyan dans la tête, d'après l'Union, nous-mêmes analyse, nous faisons les gains qui sont là comme plus gros défi. Plusieurs défis. Premier défi, c'est défi répondre à l'attente de la population. Mounio dit qu'il n'est pas capable de vivre dans une société où c'est le monde qui est plus faible qui est toujours victime. C'est-à-dire, il faut que le budget de la République, là, exprime volonté ça, pour le dire, ah, nous allons améliorer la vie, mon maillot. Parce que, pas oublier, nous, ça que fait 6, 7, 8 juillet, c'était l'idée, la tentative, la tentation, ou bien le projet, augmenter le prix gaz. Qui t'a voulu dire, pour augmenter sous misère, sous problème, mon. Nous avons dit, non, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, qu'on y a là, il faut que à l'intérieur du budget qui pral dit qui ça nous capable faire dans pays qui ça n'est pas capable faire pour gouvernement montrer que il tendait ça qui t'est passé là, il comprendre ça qui t'est passé là et la porter réponse à ça qui t'est passé là. Maintenant, on t'a remis ouais et que gouvernement rediriger on t'a capable dit programme de taxation les impôts pour les dit li en aller chercher joindre dans d'autres secteurs dans d'autres sources côté qui gagne l'argent pour nous capable mettre dans budget pour nous faire des programmes sociaux qui pourra adresser problème population. Ça, c'est le premier défi que le gain. Et ça, il doit agir vite sous lui. Deuxième défi, on est capable de dire, c'est le défi de l'insécurité. On a vu, par exemple, dans la capitale, dans le pays en général, qui gagne en circulation à travers le pays, mérite gagne l'ordre dans le secteur. Ça. Mais plus important encore, c'est la sécurité dans les villes et non villes, tant que Port-au-Prince, la capitale. Là. L'autre, des sacs à passer dans des quartiers qui bloquent totalement, des groupes qui prennent des quartiers qui contrôlent eux. La police est puissante face à eux-mêmes. Son défi que le gouvernement ça doit adresser au plus vite. Comment pour résoudre le problème ça? C'est pas seulement dans la répression pour le tirer sur le monde pour résoudre lui et pour le faire dommage, non? C'est dans l'étude sérieuse qui doit faire qui ça mène jeune ça ou dans la situation côté ou est-ce que c'est pas souvent monde politique qui a joué dans ce secteur ça qui a utilisé jeune ou vulnérabilité ou puis ou fait délinquance mettez ou dans violence mettez ou dans criminalité est-ce que c'est pas des secteurs économiques qui a utilisé ou l'État doit être présent dans bidonville là ou présent à travers des actions sociales des programmes sociaux faut gagner travail pour jeunes dans quartier ça ou faut gagner l'école classique l'école de formation faut gagner des centres sportifs qui
qui capable occuper jeunes dans des activités saines pour les détourner les de circuits de délinquance et de criminalité que parfois ils ont tombé là-dedans. Donc défi ça c'est un défi majeur que lié parce que nous pas capable abandonner jeunesse pays à type d'activité ça yo, il faut que l'État adresse ces problèmes ça. Nous pas capable chercher plusieurs autres problèmes toujours qui gagnent mais bon près un dernier qui gon manifestation publique qu'a fait de lui-même journée aujourd'hui là, c'est la question de la transparence, la reddition des comptes, la corruption. Je nous dis faut que l'État dirige autrement, faut que l'argent l'État servi pour peuple là, pour pays, il y a pour monde qui pi mal, yo monde qui pi pauvre yo. Faut l'argent pas enrichir des groupes de monde ou des groupes, des clans, des individus parce qu'on a pouvoir ou bien non, il faut que l'argent l'État gère dans la transparence pour une justice qui capable manifester et sanctionner monde qui ta coupable de mauvaise gestion de l'argent l'État pour que moi-même qui dans l'opposition je dis qui a espéré venir dans pouvoir de même tirer leçon de ça pour me dire ah l'argent l'État m'a pas le moyen comme ça parce que si moyen m'a prend prison il y a saisi bien il y a saisi compte bancaire moi donc il y a des exemples qui de tracer ça c'est pour moi c'est autant de questions qui posées et que vite gouvernement doit agir sur même temps des présidents dans les premiers ministres Jean Rissier promettent que on va attaquer problème pétro-caribé et problème de corruption générale mais ça sont deux demandes de la nation que doit adresser au plus vite bagaille m'est capable de parler de lui c'est concernant direction générale yo. Direction générale yo, nous pas nous connaît très bien information qui vient comme ça directeur général ça yo gen patron yo c'est affaire patron yo les revenir dans direction générale yo y a réglé. Donc, parler avec le président sur la question ça, ou pas qu'il y a un pays pour gérer avec un petit clan, ou équipe sénateur soit influent, ou bien député qui est influent à l'exception de la clause. Moi-même, tout ça, ou de qu'on a promis, moi-même, je dis non, quitter le pays à marcher. Parce que moi-même, j'ai un mandat dans même, c'est pour me travailler, pour le pays, pour me travailler. C'est avec une grande activité qu'on a organisée demain à l'hôtel Marriott. De 10h à 1h. Et il y a trois gros volets dans l'activité. Ça. D'abord, c'est la commémoration de la Journée internationale de la paix. Et il y a la section haïtienne de l'Association internationale des parlementaires pour la paix que nous avons lancé, nous avons inauguré demain dans l'hôtel Marriott. Et demain, nous avons fait nomination de plusieurs ambassadeurs de paix. Donc, on a une fédération de paix universelle. C'est une organisation gouvernementale qui est affiliée, qui travaille de concert avec l'Ecosoft, le Conseil économique social des Nations Unies, et qui gagne la guerre. L'organisation se travaille, il fait des plaidoyers, il fait un pile campagne d'éducation, de sensibilisation. Aujourd'hui, c'est concernant le nouveau gouvernement qui fait monter dans tête pays. Là, on a considéré que la situation pays à Jean-Lié là, nous-mêmes comme députés, nous ne pouvons pas accepter aucun ministre pour venir caler l'Ouest. Je constate que dans le gouvernement qui s'est passé, il y a un pile ministre, une fois qu'ils ont installé dans le bureau seulement. Et nous avons un exemple côté que Tegyoba qui était passé en sapit. Nous-mêmes, chambre députée, nous avons une délégation qui était allée. Tout député allée dans la machine et nous avons comment la situation routière. Et bien, tout ministre, c'est dans l'hélicoptère qui est allé. Moi-même, je ne peux pas tolérer comme ministre. Nous ne pouvons pas encourager la bureaucratie. Cette fois-ci, quel que soit le ministre, il faut que vous travaillez. Si ou pas venir travailler, nous voyons aller bien bonnet. Nous voyons aller bien bonnet. Pays à n'importe quel moment. N'importe monde qui mourir. Mais personne ne peut jamais tenir compte de ça. Nous avons le bon hôpital de référence dans le pays. Là, le ministre de la Santé range corps. Range corps, pas de monde qui a pensé avec le monde là qu'on est du tout pas. Nous, nos pays, côté que. Grand goût a fait la rage dans le pays. Grand goût a fait la rage. Bon amélioration qui fait. Ministre agriculture, terrain. Travail terrain. Ministre santé, terrain. Travaux publics, terrain. Faut qu'on aille. Faut faire terrain.
pas de question pour marcher rete chita dans le bureau pour pas gagner qui régler. Ministre environnement, nous gagnons 30 bassins versants dans le pays. Il y a 25% qui dénudés. Il faut que nous disions qui sont prêts à le faire pour rétablir l'équilibre écologique. Là. Nous gagnons 5% seulement dans le pays qui a un petit travail qui fait là-dedans. Pas de forêt, forêt de pain, de nuit, de pas gagné, pas gagné qui fait. Dans le pays, nous pas converger. Nous pas converger. Côté que, ou à la République Dominicaine, ou à n'importe 20 à 25 hectares de terre, soit en blavé en citron, ou bien en mangue, ou bien en avocat, en Haïti, nous pas gagné. Nous avons ministre environnement, nous avons ministre agriculture. Cette fois-ci, que tout ministre peut travailler. Circulation à Pétionville. L'organe est pour dans pile machine qui circule avec gyrophare, sirène et article 152 pas autorisé. L'autre machine circule avec sirène et gyrophare que la police, pompiers, ambulance. C'est que automatiquement, ou pas une machine ça, ou une sirène, ou une gyrophare, normalement, nous-mêmes avons gardé, nous avons retenu, nous avons saisi normalement. Et l'organe de pour circulation dans le pays, c'est l'image, c'est l'image pays, circulation pays, c'est l'image pays. Automatiquement, nous n'en avons rien, nous là pour tout cas. Nous là pour circulation et nous là pour bandit tout. Cap circuler soit avec un arme à feu, nous là pour tout net. Nous pas là seulement pour réglementer circulation, non, pour contrôler situation. L'organe pour gros lumière électroluminescence, yo mettez dans machine. Yo. Lumière ça, le allume dans yeux. C'est soit fait accident ou du moins ou camper machine. On ne nous pas autorisé pour mettre gros lumière ça dans la machine. Non? Nous avons décret 26 mai 2006, il dit aux machines de circuler trois feux de code, feu autorisé, circuler avec gros lumière électroluminescence. Ou pas que nous ajouter rien dans la machine, non, que ça autorise la machine pour circuler avec. Je veux dire, la circulation fait un travail qui est important parce que nous avons des gens qui ont circulé avec des machines d'été qui ont faux papiers d'après ça. Nous. On a des bagages pour faire. Qui concerne la machine, c'est rentrer dans le service de circulation et puis ou à contacter le bureau concerné de quoi pour faire le bout, mais pigol en affaire avec pièce raquette, parce que raquette a plagué dans tout normalement. C'est ça que fait ma part des populations. Soit salgue pour le régler, la déplacer, et puis la vie dans le service là, et puis la vie dans le service normalement, il n'y a pas besoin d'affaire avec raquette. Il faut toujours un réflecteur des machines. Je demande à tout chauffeur encore qui n'est pas autorisé à circuler avec sirène et gyrophare pour retirer normalement dans la machine. Pas quitter ces moins qui peuvent retirer dans la machine. Laissez-le après une contravention que vous n'avez même besoin de faire. C'est moi qui vais conseiller ça pour la population. Je conseille la population encore. Machine particulier sans plaque dans le pays. Le par exemple, on moun ou circule une machine sans plaque. Dans le pays, il n'y a pas de sécurité même pour. C'est conseil ça m'a bail tout le monde mettez plaque 24 heures seulement. Et depuis le dépassé 24 heures pour sortir dans douane pour aller à la caillou, pour circuler avec lui dans Port-au-Prince, capitale là dans le pays, depuis nous croiser avec lui dans Paris. Atelier, je dis, hein, c'est un atelier créé pour le groupement éducation pour tout le monde, ensemble avec Save the Children,
nous avons organisé sous thème genre, droit femme, non planification, question éducation. Donc, son atelier que nous fait pour nous regarder qui place et question genre gagne dans le système d'éducation et comment nous faire des propositions pour que entrer question genre, question droit femme, question droit fille dans planification, question éducation en général dans le pays et particulièrement tout dans planification ministère éducation. Parce que question droit femme, droit fille et question genre, c'est une partie essentielle que lié dans droit éducation qui est un droit monde fondamental. Donc si va et ça aller dans le sens égalité des sexes, égalité de genre et l'entrée dans le cadre pour lutte contre discrimination qui et contre violence tout qui gagne contre femmes, contre filles, contre adolescents. Et puis d'entrer tout dans le cadre du GFOC a fait contre éducation sexiste, non éducation sexiste. Donc parce que l'objectif nous, au niveau éducation, c'est éducation, accès universel à l'éducation, éducation pour tout le monde, mais en bonne qualité éducation, une éducation inclusive, ça veut dire que tout le monde participe là-dedans, et puis une éducation sans fausse côté. Et équitable. En même temps, tout sur l'éducation qui est ouverte. Mais pour ça, il faut que question égalité femmes-garçons, question égalité des sexes, lui entrer en dedans le système d'éducation, parce que si on est tant au niveau de quantité, même si au niveau de quantité, et d'abord au niveau quantitatif, et tifi, au commencement, et la première année, au plus ou moins égal avec les garçons, mais au fur et à mesure qu'on va avancer, on va pas avancer vers l'université, on va pas avancer, donc dans pile trou, côté que c'est mesdames, abandonné, et tifi, adolescent, bien abandonné, et abandonné l'école là. Mais en plus de ça, tout, à l'intérieur du comportement qui est dans l'école, comment professeur, eux-mêmes, ils traitent les filles, comment ils traitent les garçons, donc ça, c'est le barrage que le ministère a dû gagner dans le programme pour une meilleure compréhension et un traitement équilibré dans la relation filles-garçons. Et en même temps, tout, en plus de questions de traitement, ça, tout, dans le manuel scolaire, il y a une série de images, de stéréotypes qui gagnent dans le manuel scolaire, qui encouragent et discrimination, qui encourage violence contre les filles, contre femmes. Donc, c'est pour toutes les raisons, ça, nous croyons qu'il est nécessaire pour prendre compte tant au niveau quantitatif, chiffre, question de place et filles, et adolescentes, femmes, dans la question éducation, ni dans la question contenu programme, ni dans la question matériel, et même dans la question de local, comment local l'en est, qui va favoriser ou pas, et développement, et filles, adolescentes, femmes, dans la question éducation. Même au niveau de toilettes, comment toilettes, quelle disposition qui prend pour que, et quand je rentre dans le cahier, il rentre dans le cahier tellement isolé, qu'à tellement fermé, que l'encourager des violences parfois, des violences parfois contre les filles, contre les adolescents, contre les femmes. Donc, on va penser une approche genre, une approche droit femme, droit filles, dans la question de l'éducation, fait sortir depuis dans genre, question de conception égalité pour gagner, pour développer, ni tout, il passait tout dans le programme, il passait dans le matériel, il même passait même dans notre toilette, ouais, et l'antifie, et faut tenir compte de ça, de les mesdames, tu mesdames, nous gagnons régulier. Car peut-être que jour ça qu'il a traité il fait 2-3 jours et qu'il n'y a pas venir comme c'est du bon je vous le fais car c'est moment ça qu'il a traité un sujet un thème qu'il n'y a pas bel examen donc comment qu'on y a sensibilité qui doit gagner au niveau de l'enseignant pour qu'on gérer toute question ça en relation avec nous actuellement trouvé nous le momentum le système éducatif là côté que il a fait ça relé un plan sectoriel pour les prochaines 10 ans yo. Donc, Save the Children pense que c'est un momentum que pour nous capables de soulever des questions qui sont toujours là, des problèmes que nous observons, et c'est le meilleur moment pour nous soulever, pour nous prendre en compte, pour nous vraiment voir que la réalité qui s'allie à cette question de genre, pour que plein que nous avons tracé, nous prenons en compte la question de ça, pour rendez-vous pour 2030, la nouvelle réalité paysan, résoudre la question de genre qui est observée. Donc, Save the Children lui-même, il faut que ce petit monde, je le connais. C'est focus, c'est éducation, santé et puis protection.
Et donc, sur tout aspect ça, on essaie de regarder qui j'en nous a amélioré, premièrement, de façon quantitative, participation de Timonio dans l'école là, est-ce que vous là, en termes de genre, petit garçon, et aussi, le haut fin là, est-ce que en termes d'égalité de genre, est-ce que vous jouissez de l'expérience d'éducation en même genre, petit fille et petit garçon? Et particulièrement la question de violence que nous connaissons qui est assez présent dans l'école. Donc, je comme nous dans tout aspect ça que nous avons déjà apporté, à fait plaidoyer pour eux, nous estimons que le moment que nous avons fait une planification pour ce secteur-là, c'est le meilleur moment pour nous que nous mettions les en à présenter. Particulièrement dans des communautés que nous travaillons, nous rendons compte que les violences qui ont fait, par exemple, nous avons des cas de viol, des cas, c'est beaucoup plus évident. Mais il y a aussi des violences symboliques qui s'opèrent aussi. D'accord? Et nous rendons compte que si ce n'est pas en intervention, disons, frontale de réalité hein, qui va dire on a changé ça, c'est plutôt un changement de mentalité qui peut résoudre. Maintenant, l'intervention, nous rendons compte que, par exemple, je veux dire, nous prenons une décision, mais si nous regardons, nous avons dit que nous regardons la participation de ces filles et de ces garçons à tout niveau du système, du préscolaire au secondaire, nous avons même un léger avantage pour mesdames, pour ces filles. Mais information que nous manquons, qui rentre dans le détail, à savoir qui j'en sais dans la population qui est plus pauvre, qui j'en sais dans la zone rurale, dans la zone urbaine, ça cachait des problèmes que nous connaissons, des problèmes de violence, des problèmes de frein à l'éducation, la zone ça, que si nous ne faisons pas remonter qu'on y a une politique qui prend tenue des informations à la surface, alors que les problèmes vraiment en profondeur qui ne pas touchés. Donc nous estimons que c'est le meilleur moment pour nous qu'à mettez voix nous, mettez-nous en rendez-vous qu'on gagne en 2030. Eh bien, nous prenons, mais nous ne pas quitter personne derrière, que ce soit Jean, que ce soit une situation physique, quel soit handicap que le gagne. Donc, en question d'inclusion, dont la question de genre particulièrement. Avec un outil électronique, ça m'a dit vraiment de faire plusieurs tests. Et parmi tests, ça y est, tests d'organisation, des tests qui liés à la supervision, des tests qui liés à toute actualisation cartographique, recensement, et des tests qui liés surtout à démarche de qualité. Qualité, obtenir des données fiables de manière à ce que responsables, planificateurs, soient capables de prendre de bonnes décisions dans la politique publique qui est pour élaborer. Donc, nous sommes passés pratiquement donc, 3 jours depuis que nous sommes réunis dans Montana pour nous capables d'évaluer l'activité. Et évaluation, comment elle est faite? Premièrement, nous gagnons avec nous, que nous t'ai invité, des experts au niveau international qui a assisté nous, qui a encadré nous, pour nous voir comment l'opération ça est faite pour respecter toutes les normes internationales. Le recensement a fait en mars, avril 2019. Ah, c'est le recensement. Oui, c'est le recensement. Oui, sans quand ça a voulu dire, c'est là, vous voyez mon souterrain, ou à la caille, ménager, ou à collecter information. L'opération s'est faite exactement en mars avril 2019. Ça l'a fait pour le moment, c'est l'activité préparatoire. Là, fait. L'activité préparatoire, nous sommes cités plusieurs ans, mais nous avons dit ça le plus important, c'est le recensement pilote que nous sommes fait la dernière. Oui, c'est un pilote là, l'on fait, c'est peut-être le pilote, il y a un test. C'est comme si c'est le même recensement qu'on a pour faire, et puis on a fait un petit recensement tout petit pour évaluer. Tout instrument qu'on va utiliser au moment du recensement général, que nous prévoyons pour 2019 là, c'est tout instrument ça on a testé pour le moment. C'est ça qui est le test pilote là. Mais nous finissons de tester pour nous regarder est-ce que vous êtes bien préparé, est-ce que vous êtes bien fait, si vous avez un problème, comment nous pouvons corriger l'instrument ça, de telle sorte que là nous arrivons dans le recensement général là, pour ne pas avoir le même problème ça. Nous avons un exemple. Par exemple, nous disons,
question, ça nous pourrait appliquer sur le terrain son tablette, agent ou pas le gagner, mais pour collecter information. Il est important pour nous connaître combien de temps agent apprend sur le terrain avec un ménage. C'est d'avoir appliqué tablette ça. Donc là nous finissons combien de temps, connaît combien de temps l'apprend, pour nous connaître combien et ménage nos cabas agent ça pour la collecter sur le terrain. Puisque opération de terrain à faire, il y a une limite. On va avoir agent, on dit l'on finit, on finit. Donc, nous connaissons à l'avance combien aménage agent qu'a questionné et combien de temps la prend pour le faire. Parce que la période là fixée pour nous faire recensement, pour nous dire que nous allons souterrain en principe, le travail à fait pour le faire pendant un mois et demi, maximum 6 semaines. Maximum un mois et demi pour le travail collecte la fête souterrain. Donc, tout test n'a fait là, c'est pour nous améliorer l'instrument, nous, pour nous permettre de répondre à l'objectif de la fête recensement de 2019. Rivière 1, c'est une façon pour que population plus au courant de qui sa fondation a fait, mais quand même fondation 1 et ça a fait pour cancer infantile. Parce que, a dit, ni dans tout pays, ni en Haïti, mais cancer infantile, nous ne connaissons pas suffisamment. Et fondation 1 a été pour objectif pour tout petit monde qui souffre de cancer infantile en Haïti, nous avons besoin d'accès à des soins appropriés dans l'hôpital qu'il faut. Je dis en Haïti, son seul hôpital qui offre des soins gratis à moun, ti moun qui a souffert de cancer infantile, de cancer, mais pas de moyens pour l'autre hôpital pour le moment faire, parce que pas de moyens pour ça. Donc nous-mêmes, puisque nous sommes intéressés à la question, hein, nous voulons que le public là connaît que le cancer infantile existait et que si on lance à l'hôpital Saint-Damien une unité de traitement de cancer pour tout le monde qui est capable de prendre en charge et gratis, de manière gratuite. Bon, gros monde là qui dit, mais c'est ça, si tout le monde a mangé, est-ce que ça a fait le cancer? Mais si tout le monde a 2 mois, 3 mois, ou bien si tout le monde a fait qui a un cancer, ou capable de dire c'est ça qui a mangé pendant 2-3 mois. Donc là, je peux me répondre un petit peu, c'est pas ça, si tout le monde a mangé seulement. Pour y a la Fondation Saint-Damien, dans l'hôpital Saint-Damien, si tout le monde a fait jusqu'à ce que tout le monde a 14 ans, par exemple, il a recevoir. Mais souvent plus que 14 ans, vous ne pouvez pas recevoir. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas mérité soin et que ce n'est pas grave. C'est parce que vous n'avez pas les moyens, vous fixez peut-être une limite. Si vous dépassez 14 ans, vous ne pouvez pas recevoir. Quand il y a un cancer grand monde, vous plus qu'on est. Mais quand c'est un cancer grand, il y a un plus qu'on plus pour nous, il y a un cancer, par là, il y a un bon bruit. Il y a un pile monde qui pense que c'est grand monde seulement. Mais si vous faites cancer. Et l'environnement que nous avons évolué, pour capable de comprendre le problème de insalubrité que nous avons évolué. Caoutchouc a boulé toute la journée. Et caoutchouc a boulé, il a boulé et gobelet plastique, il a boulé assiette plastique. On a mangé toute qualité de manger, on a mangé à sauter. Mais tout le bagage a eu effet sur la famille. Ça peut arriver que au moment où il y a des problèmes, lui-même, la Kaili, que le passé, il y a des bagages génétiques. Mais pas parce que maman ou bien papa a des problèmes de cancer que si vous n'avez pas le tout, on a 4-5 petites et c'est une qui présente des problèmes. Il est plus prédisposé, ça arrive que le gagne, mais ce n'est pas parce que la famille a gagné, il va le gagner nécessairement. Et le cancer qui est présenté de différentes façons. Le cancer que des grands monde qui a gagné, si vous n'avez pas le gagner nécessairement. Soit pour un grand monde fille, il y a un cancer sein, il y a un cancer matrice, il y a un cancer col. Un garçon, un cancer, il y a un gros stade de bail pareil. Cancer poumon parce qu'il fume en pile. Mais il boit en pile, il a un problème de foi. Bon, Timounan l'a présenté différemment. Par exemple, Timounan, il y a un problème de rétinoblastome, ça veut dire que gel.
ou gen un grain gel clairé en pile, c'est lui relé rétinoblastome. Mais si vous n'êtes pas bien gel veron, faut moun la cali soucieux sous ça pour connaître c'est pas un cancer, il développe dans tête, qu'il y a un problème dans gel qui gen doit développer. Si vous nan ou pas manger bien, mon wè si vous nan col crasé, l'anémie, c'est pour mandou ça gen, il ka un cancer dans moelle, c'est des bagages qui existaient. Si vous nan ou est col, bi bon bonne boule qu'a fait sur toute col. Boule yo pas fait le mal. Mais c'est pour le cas docteur pour connaître ça lié ça cap conséquence que l'a développé dans toute boule ça yo si moun nan et ou pas manger bien l'a enflé mais c'est pour ca al fait examen pour ça lié ventre li a bin gros c'est pour regarder ça cap passer dans ventre li donc pour dire que dans différentes façons que cancer ca ti moun nan ca présenter mais si pas sensibiliser au fait que un ti moun qui pas fonctionner normal et qui capable présenter ça nous yo faut qu'on cas docteur pour ça gagner et si c'est ça gagner puis référer dans l'hôpital assez tôt pour que on prenne cas là en considération. L'activité Jondia, c'est dans quatre projets plaidoyer pour l'État haïtien, prendre mesures gouvernementales officielles pour faire campagne médiatique pour que yo ka combattre discrimination, qui chita sous stéréotypes, qui tourne barrière, qui empêche mon handicapé inclus et fonctionner dans la société. Dans le cas ça, il demande tout dans la convention qui est la convention relative sur le droit de mon handicapé. Article 8 là pour que yo fait promotion pour valeur à capacité mon handicap. Étant donné que dans quatre projets ça qui durait 12 mois, notre activité qui s'est fait campagne de plaidoyer par nous auprès de l'État mais tout auprès de population. Parce que à chaque fois nous parler avec un monde pour yo comprendre que normalement gagne un comportement positif qui supposé afficher vis-à-vis de moun yon moun qui handicapé. On nous dit que yon moun qui handicapé perd un bras, yon tout relè le bout de poignette. Un moun sa li gen ak naissance parent ba li an non. Nous voulons faire moun yon konnen que handicap là li pas identité, chaque moun gen yon non. Là yon pa konnen non moun nan ki gen handicap là, relè le monsieur ou bien madame. Mandel comment le relé. Gen moun ki fèl nan ignorance, gen moun ki fèl tout par exprès, nan souci pou yo kapab justement diminuer moun handicap. Activité nous avons fait avant fête patronale là, et bien activité ça yo, et bien on a continué à attendre tout le monde pour répondre présent dans poté offrande yo qui permet de travailler là pas camper. Nous comprenons, faut que nous mobilisons le monde, faut nous sensibiliser le monde et que nous fiers pour nous faire ça. Parce que effort, tout effort qui fait déjà, c'est effort garçon et fille dans le pays d'Haïti, dans l'église pays d'Haïti, et qui a montré la foi dans Jean Yoremé, patron yo, qui c'est Notre-Dame du Perpétuel Secours. Et que ça, vraiment, tout le monde content, et nous-mêmes, tous nous contents, parce que si bon Dieu a servi avec nous.
pour faire travailler li dans la communauté Franoville. C'est un travail extraordinaire, même si le gros reste à faire, et que maintenant, gros œuvre là, nous vraiment très avancés, même si dans gros œuvre là, nous pouvons finir, parce que nous sommes capables de dire, dans la finition, par exemple, qui c'est pico, mon soir, et nous avons besoin qu'on coûte tout le monde pour finition en fait en beauté. Ça veut dire, le premier volet, c'est camper l'église, grâce à Dieu merci, l'église a campé. Deuxième moment dans l'église, là, c'est travail pour finition, d'ailleurs, partie qui est en béton sur toiture là, fait qu'on y a ces toitures métalliques là, et bien qu'on y a pour nos batailles, pour nos fêles, et que nous attendons toutes âmes généreuses, tout le monde qui croit dans le pays, qui croit dans l'église, qui croit dans mon Dieu, pour venir faire une avec nous. Parce que c'est un bagage. On a campé à côté pour demander est-ce que c'est nous faire. Eh bien, ce n'est pas étranger qui fait, c'est nous-mêmes, petite tête d'Haïti et chrétiens qui ont la prière, toute âme de bonne volonté qui a poté collé pour le fait. Ça veut dire qu'on voit un pile changement, et changement libéral qui a fait en l'honneur de Notre-Dame. Sans pour autant, et nous toujours dit, sanctuaire et national la libéraire, là c'est un espace approprié en annexe à sanctuaire national là, et même côté tout grand événement nous capables d'accueillir, tout gros événement qui c'est pour Notre-Dame du Perpétuel Secours. Ça veut dire, lieu symbolique là, l'a toujours été lieu symbolique, mais là, c'est bon ici, maman Marie qui est espace approprié pour tout le monde. Les gros événements viennent rassembler dans le calme, dans la beauté, dans tout le bail, viennent la prière correctement. Ça veut dire son lieu qui va l'attirer, toute petite maman yo. Qu'a sorti, quel que soit côté, a sorti. Dans toute activité que nous mettons sous pied pour tout le monde capable de participer et participer pendant ou espérer jouer un retour qui choye, et bien nous avons un gros RAF, nous avons lancé dans la paroisse là, et RAF là, c'est machine, c'est motocyclette, c'est télévision, il y a 5 gros primes et que nous offrons aux machines qui ont Hyundai. Premier, c'est 1000 gouttes. Et nous avons tout le monde qui attendait nous là, et bien aider à acheter des billets pour Rafla, les capables de faire dans un délai pas trop lointain. Nous avons fixé Rafla pour le mois de juin et 2019 pour fête là, mais nous t'a aimé. Si tout le monde tentait nous et yo aider, yo voulait aider pour les réaliser, eh bien pour nous t'a faire le plus vite depuis tout billet avant, eh bien non décembre non ou bien non d'ici vacances de Pâques. Eh bien, avant fête là, bien avant fête là, nous t'a réalisé. Et c'est une façon concrètement on capable de participer dans voyer travail maman monter. Torchella's family. Jean-Jacques Goussaline, et qui te mourit pour une grande bagarre, dit, et si là, il y a quelque chose en Afrique là, il n'y a même pas de paille autour dans la distribution.
Et moi, ça fait qu'il est taquiner, jusqu'à ce qu'il tue. Comme nous sommes partis de travailleurs, nous avons bataillé pour ça, nous avons la justice sociale. Et justice sociale, nous sommes journalistes. Ça t'est arrivé un jour, on perdit le job. L'on perdit le pays côté qui a une politique sociale avancée, nous avons deux bons magasins qui ont l'allocation de chômage en attendant qu'on ait notre travail. Et si l'un journaliste là, il y a trois personnes qui apprennent et qui ont moins et demandent la donne, offre la donne, laisse ça, l'État a de orienter à prendre notre métier et libérer encore pour faire quatre travail. Parce que qui ça nous besoin? C'est bien-être pour tout le monde. Nous, nous avons dirigé le pays, pourquoi c'est la diriger? C'est pour diriger dans le sens que côté que les satisfait 5 besoins primaires au peuple. Qui plus gros besoin nous avons? C'est logement. Logement socio-décent. Tout le monde a besoin de côté pour le retenir par la là. Qui plus gros besoin au peuple? C'est alimentation, c'est manger. Mais on alimentation consistante. Qui plus gros besoin au peuple? C'est éducation. Et c'est éducation tout qui fait développement dans tout le pays. Et on éducation universelle et de qualité. Et qui plus gros besoin au peuple? C'est santé. Si on pas en santé, si on contribue dans le développement du pays, si on pas en santé, est-ce qu'on travaille réellement? Donc on ne peut pas travailler. Et qui plus besoin, on a besoin, c'est loisir. 5 besoins, ça y est, depuis un gouvernement pas satisfait, nous avons fait toute parole en pile qu'il fait, il n'a pas campé sous rien. Et c'est ça que nous venons, et c'est ça que nous avons exigé, pour que demain, jour où on perd du job, même si on passe un an, deux, on ne peut pas faire rien, l'État est capable de fourrer maintenant la caisse, les bons allocations, les allocations de chômage. Bon, c'est une bonne nouvelle. Et comme bonne expérience de travail avec travailleurs depuis la formation professionnelle, l'MT jeune, je dis bon, je vais répondre à la demande d'invitation pour une frontière échangeable. Ça, c'est un dialogue que nous avons fait. Évidemment, nous placer sous l'angle de l'éducation, parce que c'est l'éducation qui est fondateur. C'est un projet éducation en société pour jouer un vrai projet société communautaire. Donc c'est pour ça que toute discussion de fait là, tout débat fait là, axé sur l'éducation, sur comment pour améliorer la qualité d'éducation, comment pour garantir que chaque petit monde qui fait dans le pays a la possibilité de faire 9 années l'école fondamentale sans que ce n'est pas Charles le parent qui fait que là l'école. Donc c'est créer conditions pour ça qu'a fait d'accepter de répondre à l'invitation. On fait partager ça avec aujourd'hui. Défi a d'abord, bon, il y a d'abord un défi de qualité. Parce que l'éducation sans promesse, sans faux promesse, en grande partie, si on a fait 9 ans l'école, il n'a pas sorti de pas qu'on lit, pas qu'on écrit, il n'a pas qu'à raisonner, il fait baccalauréat, il n'a pas qu'à articuler un raisonnement logique. Et là, penser tout sacrifice par en fait, toute privation que l'accepter vivre pour le permettre si on a à l'école, et puis pour les rendez-vous ça fini, pour le bon amène au petit monde qui pas gagne toute capacité, toute compétence que la société a été mieux bâti. Donc ça, son sacrifice, on est capable de dire qui pas gagne contrepartie là-dedans. C'est son premier élément. Deuxième élément, dit d'ordre, équité tout. Comment on peut imaginer une société côté sous chaque centimètre qui est l'école, 80 là-dedans, c'est pas un créé l'école, c'est pas responsabilité de l'État. Je parle de l'école primaire, je parle de l'école fondamentale. Ça, c'est responsabilité n'importe qui l'État de garantir que l'autre monde fait dans la société, qu'on est capable de faire au moins 9 années l'école fondamentale sans que ce soit chaleur par an qui a préoccupé le droit d'entrée, de frais scolaires, de matières didactiques, de livres subventionnés ou pas. Non, il n'est pas possible. Et tout pays dans la région a commencé à faire l'Haïti, on a un retard, donc on a une réflexion pour faire dans le pays. Bon réflexion pour faire dans la société, bon réingénierie de gens d'emploi et ressources nationales pour nous dire objectif ça, faut prendre net. C'est un lancement moins préparé à toute force et moins travail pour placer dans la date ça. Placer dans la date ça parce que c'est 20 septembre. 20 septembre, anniversaire, naissance fondateur nation, Jean-Jacques Dessalines. Donc, on parti travailleur qui voulait intégrer Massio, pas capable de gagner l'autre choix, ni de politique publique, ni de philosophie, ni d'idéologie, si ce n'est pas justice sociale. Ou pas capable de justice sociale, pour les gens qui travaillent dans la société. Prends petit tonton, petit monde qui lui-même qui t'a donné l'école, Captain Training avec des collards dans la rue pour essayer de faire des boudins, passer sous jeune garçon qui désespéré, tombé dans le ventre papadap, jusqu'à ouvrier qui travaille dans la factory, qui travaille dans l'usine. Donc, tout le monde, en passant par, et sans compter, sans parler, sans
de paysans, de travailleurs agricoles là. Donc tout le monde qui travaille pour faire économie société ça, mais qui pas jamais qu'à jouer économie société ça, faut journée aujourd'hui être capable de prendre décision sous modèle économie et pratiquer dans la société, participer dans la mise en place modèle économie ça et surtout jouir conséquences modèle économie ça. C'est une responsable organisation sociopolitique Vive Haïti. Jodi a, dans l'occasion 20 septembre, nous faisons un paquet d'activités. Placer l'activité dans le contexte de nous, pour qui ça a été demandé? Bon, il faut nous rappeler, l'organisation, c'est l'organisation sociopolitique et Vive Haïti. Et mission, nous, c'est chercher l'identité. Et même Jean Tefel, nous allons boire dans la Coupe Bagaïma, 14 août qui s'est passé là, nous sommes célébrés l'anniversaire 14 août là, et première cérémonie et esclavage n'a pas le fait à travers le monde si vous boutez ça, dans la ligne là toujours, tu as fait papa des salines 260 l'année. Et bien qui ça nous même au niveau organisation Vive Haïti, nous constater, nous remarquer que société a et pas vraiment maîtrisé ça n'était carré les naissances papa des salines non, yo plus mettez dans tête société dans tête population la mort des salines. Ouais, chaque année 17 octobre il y a une grosse célébration, grosse mobilisation faite pour la mort Jean-Jacques Dessalines, alors que la vie Dessalines qui est plus important pour nous parce que c'est la vie à balba et la mort pas aucune importance qui accordée avec la vie Dessalines. Et mais nous même au niveau organisation sociopolitique Vive Haïti, nous voulons incarner dans l'esprit peuple haïtien la vie Dessalines pour nous faire connaître, pour connaître qui le Dessalines tenait, parce que il y a des exemples nous même nous prenons avant de venir pour célébrer l'anniversaire général Dessalines. Il y a des mêmes historiens qui nous parlent ensemble avec eux et professeur d'histoire nous parler de avec de l'autre professeur de sept monde dans la société a nous mandé au naissance Dessalines, tout le monde ignorait naissance temps alors que l'un posait la question qui est Dessalines te mouille 17 octobre 1806 par un monde qui connaît naissance Dessalines. Et ben nous même au niveau organisation Vive Haïti nous cherchons à chercher identité, et ben nous fait conférence débat ça nous l'autre Haïti qui connaît non en Haïti avec l'idée de Dessalines, parce que c'est fait nous tout haïtien qui croit et pour gagner un Haïti et vraiment côté tout haïtien à vivre tant pour moun Jean Dessalines devle là, mais c'est fait tout haïtien ça depuis petit monde m'a levé moi joindre en pile monde en pile secteur en pile pouvoir qui passer déjà yo prend plaisir yo à faire danser célébrer l'an mort Dessalines, mais yo et vraiment côté tout haïtien à vivre tant pour moun Jean Dessalines devle là, mais c'est fait tout haïtien ça depuis petit monde m'a levé moi joindre en pile monde en pile secteur en pile pouvoir qui passer déjà yo prend plaisir yo à faire danser célébrer l'an mort Dessalines, mais yo qui devine parler de la vie de Saline, de l'action de Saline, qui mène nous à l'indépendance nous, et qui mène nous jusqu'à l'assassinat. Mais vendu que tout de suite après, nous avons un chef qui nous a déposé en bas monument de Saline. En façon pour nous dire de Saline, tout travail qu'il fait pour le pays, ça, pour nous-mêmes au niveau de Haïti, lui représentant pile bagaille, et ça fait matin, présence nous là. Dans chaque de Saline, nous dit bonne fête. Moi, fier pour te sentir. Que moi sorti non peuple qui traversait 312 l'année l'esclavage, calé l'armée banyole, calé l'armée britannique, calé l'armée français pour te créer Haïti ça a fait un cadeau. Merci, merci, merci. Toute femme, tout garçon, tout petit monde qui te bataille pour te créer Haïti, merci. Haïtien doit connaître, nous sommes gros peuple. Ça ne fait personne pour quand même qu'à répéter. Donc, même si
nous on a traversé un mauvais passe, son passe lié. Pas comprendre c'est la fin. C'est pas vrai. Parce que même résilience qui était en dedans des salines, en dedans Marie-Jeanne, en dedans Marie-Claire Heureuse, en dedans Capois-la-Mort, en dedans Charlotte et Marc-Dieu, en dedans Bois-en-Tonnerre, même résilience ça, l'ichita là. Font petit travail sous lui, ou ap réveiller résilience pa ou là et puis ou ap faire miracle. Parce que c'est ça n'habitué faire miracle. N'a fêté mais n'a travail, c'est pas fêté pour n'a fêté pour n'en que content, n'a fait principe de s'aligner on rentrer dans nous-mêmes, rentrer dans cœur nous, habiter nous nous pour ne pas faire personne quand coup papa nous, l'en quand pour côté caler jeune, l'en nous prend le goumer même si ça qu'en face là, s'il gagne 10,000 soldats, nous-mêmes nous dit nous droite les alliés. Donc c'est avec l'esprit ça, n'a pas chanté, n'a pas dansé, mais n'a pas prendre et n'a pas transformer nous. N'a pas changer nous pour nous faire haïtiens nous doyer pour nous gagner Haïti nous voulons. Portez-nous bien.